En manchette aujourd'hui, Berthierville a l'œil sur les emprises de l'autoroute 40. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 10 février. Tout d'abord, on débute par une nouvelle qui touche, ou découle, si on peut dire, de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Berthierville. Il y a quelques jours, nous avons rencontré le maire Dominique Perrault qui nous a résumé la séance de février. Parmi les sujets qui ont été abordés lors de cette séance des élus, on parle entre autres que Berthierville souhaite acquérir les emprises de l'autoroute 40, là, chaque côté de la sortie 144. Des emprises, évidemment, qui ont été modifiées lorsque le ministère des Transports du Québec a modifié les bretelles de l'autoroute à la sortie de Berthierville. On écoute le maire Perrault à ce sujet. Emprises excédentaires. On parle de ces prêts des sorties d'autoroute qui ont été refaites. Ça a dégagé, évidemment, d'immenses espaces. D'un côté, entre autres, on parle entre le McDonald's puis l'autoroute, la même chose de l'autre côté. Fait qu'évidemment, c'est quelque chose que la ville aimerait Oui, posséder. c'est qu'en fait, côté nord, disons, côté nord, je ne crois pas que ça avait déjà été demandé, mais ça avait déjà été demandé, il y avait une demande qui avait été faite. Donc, on réitère, dans le fond, notre intérêt. Parce que si vous prenez ce côté ici, le côté sud, la rue Gabriel-Brissette, qui est à l'intersection de la 158, ben, il y a une lumière, puis si on pourrait prolonger. Donc, la bretelle le terrain en face, c'est la bretelle de l'ancienne bretelle d'autoroute. Donc, nous, on aimerait faire l'acquisition parce qu'éventuellement, cette rue-là, Gabriel-Brissette, pourrait se développer de ce côté-là dans un secteur, c'est un secteur industriel, qui rejoindrait, si on veut, la rue de la Melchior, là, dans Matraplace et tout ça. Donc, le bord tout le long de l'autoroute, à côté du McDo, dans le fond, pourrait y avoir une voie là, et avec évidemment des lots, des terrains à développer. Ce n'est pas quelque chose de court terme, mais c'est quelque chose qu'on pense. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Pour les gens qui ne savent pas, là, de l'autre côté de l'autoroute, Harvey's, Shell et tout ça, c'est sur les terrains de Berthier. Donc, en face de ça, il y a du potentiel aussi. Donc, on fait la demande. C'est un mot important. Il y a du potentiel. Du potentiel, très, très, très C'est important. des choses qu'on a ou que Oui. peut-être on aura là, Oui. à ce niveau-là. On revient au niveau des loisirs. Je saute un point ou deux là. À chaque année, on renouvelle. Il y a une entente pour les terrains de soccer. Berthierville en a un. Maintenant, depuis une couple d'années, Sainte-Geneviève de Berthier en a un. Fait que la ville et Sainte-Geneviève s'entendent. C'est plus simple, je pense, pour l'association de soccer de Oui. faire jouer ces jeunes sur les deux terrains. Oui, parce que le soccer, c'est très populaire. Beaucoup de jeunes, bon, de la région, mais les gens de Berthier et les gens de Sainte-Geneviève, on possède un terrain qui est quand même de beaux terrains qui sont réglementaires. Donc, c'est un échange parce que c'est difficile si on avait seulement qu'un terrain, pour avoir joué au soccer longtemps, là, quand il est piétiné, sans arrêt, ben ça finit que le terrain se détériore. Là, c'est un échange qu'on a. Les jeunes de Sainte-Geneviève font partie d'équipes de Berthier et les jeunes de Berthier peuvent aller jouer là-bas. Donc, c'est un échange de terrain pour Il a été l'association. aussi question, là, ben ça aussi, c'est à chaque année. Là, on parle qu'il y a des ententes Berthierville-Sainte-Geneviève au soccer, mais aussi la ville, il va de tarifications qui sont différentes. S'il y a des jeunes qui ne sont pas d'une municipalité où il y a une entente, fait qu'il y a des différences de prix parce qu'on veut un petit peu soit qui ont une entente ou qui sont de Berthierville aient un avantage. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que c'est le prix, c'est le prix de revient, dans le fond, de l'utilisation, ce qu'on calcule que ça prend en entretien et tout ça. Et évidemment, il y a un prix d'inscription au soccer, à l'association. Ça, c'est pour leur administration à eux. Mais le montant de 125 $, c'est pour l'entretien des terrains, ainsi de suite, l'éclairage, tout ça. Donc, Berthier et Sainte-Geneviève vont bénéficier de ça. Il y a deux prix, là, 125, 144, je crois, 145.
De Berthierville, on se déplace maintenant à l'Île-du-Port. En début de semaine, lundi, c'était aussi la séance des élus de l'Île-du-Port. Plusieurs sujets ont été discutés. Parmi ces sujets, il a été question de sécurité ou de sécuriser l'intersection entre le rang de l'Île-du-Port et la très passante route 158 là, qui mène de Berthierville au traversier à Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, on intervient au niveau municipal auprès du ministère des Transports et de la députée de Berthier, Caroline Proulx. Donc, on demande une intervention gouvernementale à ce niveau. On écoute un extrait de cette séance du Conseil. Le ministère des Transports du Québec demande de sécurisation de l'intersection de la route 158 et du rang de l'Île-du-Port. Entendu que la municipalité détient une intersection sur la route 158 vers le rang de l'Île-du-Port permettant l'accès aux résidents. Entendu que la limite de vitesse sur cet endroit est fixée à 80 km/h par le ministère des Transports du Québec. Entendu que la dangerosité de l'intersection en raison de la vitesse et du manque d'aménagement de protection, il est proposé par appuyé par et résolu que la municipalité de la visitation de l'Île-du-Port envoie une demande de sécurisation de l'intersection de la route 158 du rang de l'Île-du-Port et du RAN Médicat au MPQ. La demande de sécurisation demandée est la même que le projet pilote réalisé sur la route 347 à Saint-Damien. Une copie de cette résolution sera transmise au député de Berthier et ministre responsable de la Nodière, Mme Caroline Proulx, ainsi qu'au ministère des Transports. Est-ce que quelqu'un, essentiellement, ce que c'est que le ministère des Transports du Québec a fait un projet pilote constitué en marquage supplémentaire sur la route numérotée devant l'hôtel de ville de Saint-Damien. On demande à peu près la même chose. Ça attire l'attention, ça force les gens, ça les aide dans le subconscient à modérer en attirer l'attention. Il y a des ajouts d'affichage supplémentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Jocelyne Brinville. Est-ce qu'il y a quelqu'un le second? Ange Boucher. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Vous avez deviné que cette séance du Conseil s'est effectuée donc par Zoom. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 10 février, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Francine Lavallée et le Centre d'action bénévole d'Autré, le CABA, souhaite bonne fête à Suzanne Clément et à Gérard Cloutier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. CTRB poursuit aujourd'hui la présentation d'une entrevue que nous a accordée Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Madame Cardinal nous parle d'une activité qui se tiendra le 20 février prochain de 10h30 à midi. Chaque rendez-vous de l'atelier magique, M-A-J pour Musée d'art de Joliette, donc magique, propose trois stations qui permettent d'explorer une thématique ou une technique de trois façons différentes.
Pas d'inquiétude, une médiatrice est présente sur les lieux pour vous guider et vous inspirer. Pour les enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d'un adulte, donc ça s'adresse à ces jeunes-là. Et on y va pour un extrait maintenant de quelques minutes de Madame la représentante du Musée d'art de Joliette. On parle aussi au mois de février, tu as un atelier magique, MAG, tu as pris le Musée d'art de Joliette. Et que c'est très, très concept et tout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette activité-là qui va venir en février? En fond, l'atelier magique comme tel, c'est des rencontres dominicales, donc du dimanche, pour les familles. Pas qu'il n'y a pas juste des familles qui viennent, il y a aussi des fois des adultes là, qui viennent participer à cet atelier-là. Et dans le fond, c'est l'occasion de travailler une thématique à travers trois ou quatre différentes stations. Donc, les enfants vont, par exemple, travailler, je ne sais pas moi, de la peinture à une station, à l'autre, ça va être des encres, puis à l'autre, ce sera travailler sur des acétates, par exemple. Et donc, ils s'amusent comme ça, passer une station à l'autre. Ça, c'est une facette de l'atelier magique. L'autre facette, c'est de rencontrer des artistes, de discuter avec des artistes et de créer avec les artistes. Donc, ils sont vraiment chanceux, tu sais, de pouvoir travailler comme ça avec des gens qui sont reconnus, qui ont une pratique et de pouvoir explorer en leur compagnie. Ça permet de développer des compétences, mais aussi des habiletés, mais aussi de développer une confiance en soi. Oui. Qui est très grande, là, puis de découvrir toutes sortes de nouvelles choses. Et justement, à la fin février, ce sera l'occasion de créer avec Marie-Hélène Bellavance, justement l'artiste de la maison que j'habite, moi. Elle sera là et elle va rencontrer les familles pour créer avec elles. Chacune va créer une petite boîte, comme les boîtes faites avec CHSLD. Quelque chose aussi qui me... Encore là, on regarde dans votre programmation. Visite commentée, le Grand Tour. Tu es d'accord avec moi que c'est une chance unique que peuvent avoir les visiteurs? Parce que oui, souvent, tu vas au musée d'art, tu vas voir une exposition particulière où tu as un but précis. Mais avoir la possibilité de voir toutes les salles et que ça soit commenté, que tu souhaites que les œuvres soient présentées, et qu'est-ce qu'elles représentent et parler de l'artiste, c'est un privilège. Là, quand tu parles dans votre description, vous parlez de VIP, c'est vraiment VIP, c'est vraiment spécial. J'imagine que ce n'est pas le patron qui va faire la visite, mais ça va être quelqu'un qui est habitué de faire ça, là, qui fait des choses comme ça. Là. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est Denise qui est une guide d'expérience. Denise, ça fait 30 ans qu'elle est au musée. Elle connaît le musée de fond en comble. Elle connaît aussi des anecdotes. Et quand on parle de visite VIP, c'est que Denise, en fait, elle vous demande qu'est-ce que vous voulez voir. Hein, on rentre dans une salle, là, qu'est-ce que vous voulez voir? Puis, elle va pouvoir le moduler, créer une visite sur mesure avec les visiteurs qui se présentent. Vous voulez que la visite dure 30 minutes? Bien, elle condense une visite de 30 minutes. Vous voulez qu'elle dure 2 heures? Denise, elle est excellente pour faire ça. Elle va moduler le temps. Elle va adapter le contenu en fonction de la clientèle. C'est pour ça qu'on appelle ça VIP, parce qu'il n'y a pas une visite qui est pareille, en fait. Tout dépend du visiteur ou des visiteurs qui se présentent à ces visites-là, le Grand Tour, les jeudis. Et puis, dans le fond, elle crée avec vous une visite. Sinon, est-ce qu'on peut la demander? Est-ce que vous offrez des visites pour des groupes en disant, bon, bien sûr, tu me parles de Denise, c'est quelque chose qui est possible au musée, d'avoir des visites privées, d'avoir une visite, parce que je connais, il y a tellement des œuvres et tellement des choses au musée pour l'avoir visité à quelques occasions, avoir eu la chance. Et on parle beaucoup maintenant d'art contemporain, mais il y a beaucoup aussi d'autres thématiques. Là. Je crois que dans l'art sacré, il y a bien des choses là, que vous avez au musée. Là. Ben oui, en fait, on fait des visites de groupe aussi, là, il suffit de téléphoner, puis nous... On a plein de guides. Il y a Denise qui est excellente, qui fait les visites du jeudi, mais on a toute une équipe de guides qui peuvent faire différents types de visites. On offre, là, il suffit d'aller sur notre site Internet, là, dans l'onglet éducation, puis vous allez avoir toutes les informations sur les différents types de visites qu'on peut offrir pour les groupes.
De ce point-là, on le rapporte, qu'on rappelle que c'est le 24 février, toute la journée. C'est bien ça, à partir de 14 heures, qu'il y aura ce type de visite-là qui va être offert au musée. Poursuivons maintenant avec une proposition du Musée d'art de Joliette. On parle d'un camp de jour pour les jeunes. Ça se déroulera lors de la semaine de relâche et on parle d'un camp de jour assez spécial. De nouveau, écoutons Ariane Cardinal à ce sujet. Le camp de jour, je te relance. Il faut en parler. Parfait. On a travaillé fort sur le camp de jour de la relâche. Donc, c'est un camp de jour avec des places très limitées parce qu'il est plus petit que le camp estival hein, pour toutes sortes de raisons liées aux mesures sanitaires. C'est un camp de jour, dans le fond, on initie les enfants de 5 à 11 ans aux différents métiers dans un musée. Donc, ils vont avoir l'occasion de rencontrer les commissaires, les conservatrices, les techniciennes, de discuter du rôle de ces employés-là. Et par la suite, ils vont créer leurs propres expositions. Donc, à travers la semaine, évidemment, c'est un camp artistique. Ouais. Donc, ils vont participer à toutes sortes d'ateliers, créer des œuvres d'art. Et à la fin de la semaine, ils montent leur propre exposition, et vont pouvoir faire visiter à leurs parents, leurs amis, le résultat, en fait, de leur travail là, pendant la semaine. Maintenant, on ne fait pas juste être à l'intérieur, on va jouer aussi dehors, créer dans la neige, avec la glace. On fait aussi des jeux pour s'amuser. Tu sais, c'est un camp de jour là, qui est très, très, très stimulant au niveau artistique, mais qui nous permet aussi d'aller bouger à l'extérieur. Donc, c'est un camp que moi, je considère comme étant très complet. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect artistique et il y a un aspect aussi ludique et jeu et tout qui est offert. Donc, ça, il reste encore des places, c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, où il y a encore de la disponibilité, oui? Il reste quelques places encore. Dans le fond, le camp de jour pour nous, il est de 9h à 4h et on a un service de garde gratuit de 8h à 9h et de 4h à 5h. Donc, ça vaut la peine aussi là, de pouvoir en profiter. Donc, est-ce qu'on, en résumé, on peut dire, aller sur le site du Musée d'art de Joliette, c'est toujours une belle fourmilière, il y a plein de choses à découvrir, à faire, et puis planifier encore là vos belles fins de semaine, là. Les restos sont ouverts à Joliette, on peut recommencer à vivre, aller faire un peu de patinage, aller faire une marche sur la patinoire à Joliette, sur la rivière l'Assomption, arrêter au musée, souper, donc des belles activités pour les prochaines fins de semaine à venir. Le Centre d'action bénévole d'Autrey vous offre de nouvelles activités. Le personnel et les bénévoles peuvent maintenant dire « Hourra! » C'est reparti! En effet, certaines activités reprennent en présentiel, donc des gens sur place. On débute avec des ateliers créatifs. On vous invite à sortir votre créativité et surtout socialiser dans le plaisir. Pas besoin d'être un expert pour participer à ces ateliers. Pour information ou inscription aux 4 ateliers, il faut communiquer avec Monique au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 si vous êtes à Lavaltrie. C'est aussi possible par courriel à animation à commercial cab.autrey.com. Les 4 ateliers en liste sont mardi le 22 février, modelage d'argile et peinture. 8 mars, mardi 8 mars, collage artistique en papier et tissu. Mardi 22 mars, création tout en bouton. Et mardi 5 avril, création en bouchon de liège. Donc, on vous invite à être créatif et à participer à ces ateliers du Centre d'action bénévole d'Autrey. Allons sur ce à la pause.
Pierre Legardeur, le 7 février dernier, à 93 ans, est décédé. Madame Lucienne Durand, épouse de feu Lucien Dubois, demeurant à Repentigny, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, sa fille, Dany Dubois, Yves Bellemare, lui a précédé dernièrement sa fille Ginette Dubois, Réal Lambert, ses petits-enfants, Stéphane Lambert, Chantal Desrochers, Danick Lambert, Nelly Généreux, ses arrière-petits-enfants, Alexandre, Élodie, Frédéric, Coralie, Marc-Anthony, sa sœur, Muriel Durand, feu Jean-Paul Pagé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un accueil se fera samedi le 19 février dès 13h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, sur invitation seulement. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h en toute intimité. Les cendres de Mme Durand seront exposées au Columbarium Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 5 février, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Maurice Morel, époux de Lise Arnois, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France Morel, François Lefebvre, Éric Morel, Geneviève Emery, Linda Morel, Martin Desrosiers, sa belle-fille Sylvie Proux, Martin Riel, ses petits-enfants Cynthia Morel, Sébastien Morel de Bellefeuille, Jonathan Morel de Bellefeuille, Joannie Morel, Carl Desrosiers et Mathieu Riel, ses arrière-petits-enfants Cassandra, Zachary, Ariane, Léo et Elliot, ses sœurs et son frère Suzanne, feu Régent Majot, Carmen, Francine, feu Alain Rousseau, Ginette, François Lacourcière, René, feu Robert Biron, Gérard, Jacinthe Arnois, ainsi que plusieurs autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le dimanche 27 février dès 13h, sur invitation seulement, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30, toujours en toute intimité. Au CHSLD Parfila Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 7 février, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Charbonneau, épouse de feu Roland Godin, fille de feu Elzéar Charbonneau et de feu Laura Laferrière, demeurant Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, Marie Guévremont, Yves Péloquin, Louise Guévremont, Yvan Croteau, Diane Guévremont, Mario Héroux, Michel Charbonneau, Lynn Berthiaume, Marie-Lou Charbonneau, Bruno Larouche, Guy Charbonneau, Mariella Gomez-Sanchez et leurs enfants, David, Emmanuel, Marie-Ève, Camille, Léa, Philippe, Jean-Simon et leurs conjoints-conjointes, ainsi que les petites filles de Marie, Billy, Béatrice, Charlotte et plusieurs autres parents et amis. Un accueil aura lieu le mercredi 16 février dès 10h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 11h30. Sur ce, passons à la météo. À la météo, donc en ce 10 février pour ce soir, quelques averses de neige. On parle de très peu de neige, 1 degré, donc peut-être quelques grains de pluie. Cette nuit, averses de neige isolées, moins de 1 cm, il fera moins 5 degrés, ressenti moins 9. Vendredi matin, demain matin, ciel variable, soleil et un peu de nuages, moins 5. Aucune précipitation n'est prévue. En après-midi, vendredi, nuageux avec quelques éclaircies. On parle de 1 degré, ressenti moins 2, donc ça sera très doux. Même chose vendredi en soirée. Faible neige, moins de 1 cm, quelques flocons. Un peu de nuages, donc 1 degré, ressenti moins 3. Donc le doux temps se poursuit. On en profite si on a à prendre l'air avec quelques flocons de neige, c'est toujours fort agréable. On va terminer avec quelques petites informations. On vous a parlé du conseil municipal de la ville de Berthierville le 7 février dernier. Plusieurs points ont été discutés.
les élus en ont profité de cette séance pour embaucher le personnel étudiant du camp de jour pour l'été prochain. Même chose pour les employés étudiants, pour le personnel étudiant, pour ceux et celles qui travailleront à la piscine municipale. Mais comme l'a mentionné le maire Dominique Perrault, il reste encore quelques postes à combler, donc c'est à surveiller. Les élus municipaux ont aussi procédé à l'embauche d'une préposée au secrétariat. Ça faisait un petit bout de temps qu'on était à la recherche d'une personne pour occuper ce poste. C'est maintenant chose faite. Plusieurs autres points ont été discutés lors de cette séance. Entre autres, un contrat a été donné pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l'élimination. Donc, on parle des vidanges, comme on dit. Et entre autres, on en a parlé tantôt, il y a eu évidemment beaucoup de discussions, mais fort positives, puisque, comme on l'a dit en début de bulletin, Berthierville aimerait vraiment mettre la main sur les différentes l'espace, les terrains qui ont été libérés lorsqu'on le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, a modifié les sorties d'autoroute à Berthierville. Ça laisse d'immenses espaces libres qui pourraient évidemment aider au développement de Berthierville. C'est donc un dossier que nous suivrons avec intérêt. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 10 février. Alain Bellumard au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour le dernier bulletin de la semaine. En ce 10 février, voilà, c'était nos informations. Au plaisir de vous retrouver demain sur nos ondes. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.